incroyable, très 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 dynamique, très culturel, c'est impressionnant, il y a pour tous les goûts, pour tout le monde. Partir peut-être un an, ça peut effrayer, mais en fait, ça passe très vite. L'adaptation se fait très rapidement. Il faut vraiment penser à s'intégrer. Et voilà, tout se passe très bien. Quand on a un stage ici, ça donne tout de suite une autre dimension à son CV, parce que ça montre déjà qu'on a su s'adapter à un environnement totalement différent. Donc on est polyvalent. On a le goût de l'aventure, donc ça peut intéresser un potentiel recruteur. Je peux vraiment dire que j'ai été formée dans mes stages. C'était vraiment de vraies responsabilités, de me retrouver à MTV ou de finalement pouvoir faire mon stage en wedding planning, donc organisation de mariage que j'avais envie de faire depuis des années. Ça a été un peu comme un rêve américain, bon, c'est un peu cliché ce que je dis. Il y a également l'opportunité, une fois qu'on a obtenu un diplôme, qu'il soit bachelor ou master, de rester un an de plus avec une work authorization card. Donc en fait, on nous donne la possibilité de travailler, donc c'est plus un stage, c'est un vrai job, pendant un an. Les professeurs nous connaissent par nos prénoms et ils prennent vraiment le temps de nous aider et nous accompagner dans nos projets personnels et professionnels. À NYIT, on nous fait faire, on nous apprend à éditer un film, à filmer, à mettre en pratique, et pour moi c'est la vraie force, c'est la vraie valeur ajoutée de NYIT. On a un choix de cours très très important et ça c'est vraiment une chance qu'on n'a pas, je pense, dans l'éducation française. Maintenant, je me sens à l'aise pour pouvoir travailler avec des Américains, du moins dans un milieu anglophone. J'ai appris à écrire en anglais, à écrire de façon professionnelle. Le fait d'être en immersion dans une université américaine, c'est un vrai plus.